Bonjour les CE1, on se retrouve pour une nouveauté sur la lecture de l'heure. Alors aujourd'hui on va parler de l'heure du matin et de l'heure de l'après-midi ou du soir. Alors je t'explique le principe. Je te remontre notre horloge qu'on avait au tout début en classe, donc là souviens-toi ces chiffres qui sont là. C'est pour les heures. Derrière se cachent des minutes, alors là tu as de la chance sur cette horloge on voit combien de minutes se cachent à chaque fois derrière. Alors il faut que tu saches que dans une journée, il y a 24 heures, et que notre petite aiguille, elle fait le tour du cadran. Donc là, quand elle fait le tour, là, il est 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin, 9 heures du matin, 10 heures du matin, 11 heures du matin, et midi. Mais là, ça ne fait que 12 heures, puisqu'on est arrivé sur le 12. Donc elle continue à tourner l'après-midi. Et là, on ne dit pas qu'il est 1 heure de l'après-midi, on dit qu'il est 13 heures. En fait, on continue à compter. 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h quand elle est sur le 6 et là on considère qu'on passe à l'heure du soir. 19h, 20h, 21h, 22h et 23h pardon quand elle est sur le 11 et minuit quand elle revient sur le 12. Alors, je te réexplique. Donc la journée dure 24h mais le cadran de l'horloge que tu vois ici, c'est les chiffres qui sont ici à l'extérieur, il ne monte que douze heures, que jusqu'à douze. Il y a donc la petite aiguille qui fait deux fois le tour, parce que douze plus douze ça fait bien vingt-quatre heures. Elle fait d'abord un premier tour avec les heures du matin, donc on notera normalement zéro un, zéro deux, zéro trois, etc. jusqu'à midi, et puis après elle fait un deuxième tour, la petite aiguille elle arrive ici, mais on, ça, donc ce que tu vois encadrer, c'est l'heure du matin, on ne dit plus l'heure du matin, on dit à ce moment-là qu'on est dans l'après-midi, au-delà de midi, et il est donc 13h, ensuite 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, et là on passe à l'heure du soir, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, et on, on dit pas 24 heures, on dit minuit. Donc à partir de. De l'après-midi, c'est à partir de 13h. Donc de 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, on est toujours l'après-midi. 18h, heures, 19h, heures, 20h, heures, 21h jusqu'à minuit, on est à l'heure du soir. Alors, je te montre euh, maintenant un petit tableau que l'on va faire ensemble. Il faudra cocher à chaque fois si on est euh, sur l'heure du matin ou l'heure de l'après-midi. Alors en fait l'heure du matin c'est entre 1h du matin qu'on note 0,1 pour l'heure jusqu'à midi, jusqu'au 12. L'heure de l'après-midi, ça commence à 13h et ça va jusqu'à euh, 18h pour l'après-midi. Au-delà de 18h, on dit l'heure du soir euh, jusqu'à minuit. Donc ici ça aurait pu être écrit en fait dans le tableau heure de l'après-midi ou du soir. Alors donc pour le premier. On voit euh, qu'il est 01, donc 1h42. Est-on le matin ou l'après-midi Eh bien, on est dans l'heure du matin parce qu'on est avant midi. On est avant le 12. Après 10h56, on est toujours sur l'heure du matin parce qu'on est avant le 12. 22h36. Ouh là 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 Là, on est bien au-delà du 13h. On arrive euh, vers minuit. Euh, on est au-delà de 13h donc on est dans l'heure de l'après-midi ou du soir alors là on est vraiment le soir parce qu'à partir de 18h on dit que c'est le soir. Alors les trois suivants, on va les faire vous allez les faire sur l'ardoise. Donc il faudrait que tu prennes ton ardoise, ton feutre Velleda. On va d'abord s'intéresser à celui-ci. 15h54. Alors toi pour répondre sur ton ardoise, tu vas pas reproduire le tableau, tu vas juste écrire matin si tu crois que c'est l'heure du matin ou après-midi ou soir, si tu crois que c'est l'heure de l'après-midi ou du soir. Donc je répète, c'est 15h54. Je te laisse écrire le mot euh, que, tu, que tu souhaites, enfin que tu penses être le bon sur l'ardoise. Alors, 15h54, on est au-delà de 13h, euh, donc on est dans l'heure de l'après-midi. On n'est pas le soir, parce qu'on n'est on pas encore rendu à 18h. Le suivant, 11h45. Alors, je te laisse marquer à nouveau sur ton ardoise, si tu penses que c'est l'heure du matin, tu écris le mot matin. Si tu penses que c'est l'heure de l'après-midi, tu écris après-midi, ou du soir, tu écris soir. Alors, pour 11h45, on est avant 13h, donc c'est l'heure du matin. Et enfin, le dernier, 13h57, même principe, si tu penses que c'est l'heure du matin, tu écris matin, si tu penses que c'est l'heure d'aller après-midi ou du soir, tu écris ce mot sur ton ardoise. Je te laisse faire. Alors, 13h57, on est tout juste après 13h, parce qu'on est 13h passé de 57 minutes, donc on est dans l'après-midi, c'est l'heure de l'après-midi. À présent, garde bien ton ardoise, je vais prendre l'horloge, je vais dessiner la petite et la grande aiguille, et toi tu vas essayer de me donner l'heure de l'après-midi. En fait, le premier, on va quand même le faire ensemble pour que je t'explique bien le principe. Alors, là je me trompe j'ai pas pris voilà le trait donc je mets ma grande aiguille sur le 8 et ma petite sur le elle a dépassé elle est au delà du, du 4 alors ce que je te demande de faire, c'est de, de lire l'heure, mais avec l'heure de l'après-midi. Alors, je t'explique comment faire pour que ça soit facile. Euh, on ne peut pas répondre qu'il est 4h40. 4h et 40 minutes qui se cachent derrière le 8. On ne peut pas répondre ça parce que 4h, c'est l'heure du matin. Et moi, je souhaite l'heure de l'après-midi. L'heure de l'après-midi, elle commence euh, après le 12, elle commence à 13h. Donc en fait, il suffit que tu comptes, ici c'est le 12. 13, 14, 15, 16. Donc il n'est pas encore 17 heures, parce qu'on n'est pas sur le 17. Donc il est 16 heures. 16 heures. Et on a dit tout à l'heure que derrière le 8, il se cache 40 minutes. Effectivement, tu sais par cœur que derrière le 6, il y a 30 minutes. Donc derrière le 7, 35. Donc derrière le 8, 40 minutes. Alors tu as vu comment j'ai fait hein, pour l'heure, j'ai dit ici c'est midi, après c'est 13h, 14h, 15h, 16h. Alors il faudra, hein, tu verras quand je te demanderai d'apprendre la leçon pour que ça aille plus vite, que tu saches par coeur que derrière le 3h l'après-midi, 3h du matin, derrière l'après-midi c'est 15h. Donc ça, ça sera à savoir par coeur. Voilà, je te mets un petit cœur. Il faudra également connaître par cœur que le soir. Derrière le 6 de 6h du matin bien on arrive le soir et il se cache 18h voilà donc ça ça sera à savoir aussi on passe à l'heure du soir à ce moment là que derrière le 6 il se cache 18h donc à connaître également par cœur tu verras dans la leçon que je te donnerai qui est déjà collée dans ton cahier violet. Enfin il faudra également connaître par cœur que derrière le 9, on est de... encore le soir évidemment, il se cache et 21 heures. Donc ça, ça sera à savoir également par cœur. Grâce à ces trois que tu connaîtras par cœur, oups, le cœur n'est vraiment pas beau. Oulala là là, Madame River, j'ai du mal à dessiner avec mon ordinateur et avec ma souris. Bon, bref, derrière le 9, 21 heures, et donc si tu connais ces trois par cœur, eh bien ça te permettra d'aller plus vite pour connaître l'heure du soir. Il y a également, enfin, une dernière méthode que je pourrais te donner. Il suffit en fait à chaque fois de faire un petit peu de calcul mental et d'ajouter plus 12 pour connaître l'heure de l'après-midi. Par exemple si ton aiguille est sur le 1, tu fais plus 12 dans ta tête. Donc je note plus 12, mais c'est une gymnastique de calcul mental, donc c'est peut-être plus difficile. Plus 12 et on sait que donc derrière le le 1 c'est 13 heures euh, par exemple si je me situe sur le 7 ben je dis je fais 12 plus 7 ou 7 plus 12 et 7 plus 12 ou 12 plus 7 donc on fait plus 12 à nouveau comme je viens de t'expliquer et bien ça fait 19 donc euh, il se cache 19h, c'est 19h qu'on est, 19 heures quand on est euh, sur le 7. Donc ça, c'est peut-être pas la méthode la plus simple. En fait, ce qui est le plus simple, c'est de savoir qu'on continue à compter. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 derrière le 10, 23 et 24 heures minuit. Donc en fait. Euh, en fait, ce que je vais vraiment te demander d'apprendre, hein, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que derrière le 3, il se cache 15 heures. Derrière le 6, c'est 18 heures, c'est l'heure du soir qui commence. Derrière le 9, c'est 21 heures. Alors, je vais te demander de travailler. Donc, j'efface un petit peu tout ce qui va nous gêner sur ce tableau. Je vais enlever mes aiguilles, du moins je vais les bouger. Et je vais te demander de me donner... Euh, l'heure de l'après-midi ou du soir c'est l'objectif du jour donc oh là voilà je vais y arriver alors je dessine d'abord la grande aiguille cette grande aiguille je vais la mettre sur le ah c'est pas la bonne couleur tu te rappelles on hein, faisait la grande aiguille en bleu donc la grande aiguille je vais la mettre sur le 10 et la petite, je vais la mettre euh, là. Attention, elle est proche du 8, mais si tu vises bien avec tes yeux, elle n'est pas encore sur le 8. Donc je te demande de donner, tu verras, ça sera l'heure du soir, j'entoure là-haut. Donc je te demande de réfléchir tout seul. J'ai laissé quelques indications euh, sur le, le tableau qui qui peuvent t'aider. Parce que voilà, c'est quand même le démarrage. Donc, je te laisse faire. Je mets la réponse sur ton ardoise à tout de suite. Alors, je ne sais pas si je t'ai laissé assez de temps, mais ne t'inquiète pas, on va corriger ensemble. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu comprennes le principe. Je commence, hein, je t'avais conseillé par la grande aiguille. Elle est sur le 10, je sais que ce 10, c'est pour les heures, c'est pas pour les minutes. Euh, donc, je cherche combien de minutes il se cache derrière. Tu sais par cœur que derrière le 9, il y a 45 minutes. Donc, tu fais plus 5, puisqu'on compte de 5 en 5 pour les minutes. Donc, derrière le 10, il se cache 50 minutes. Donc ça y est, j'ai mes minutes. Maintenant, je m'intéresse à mon heure. Alors là, les chiffres, hein, je te rappelle que ceux qui sont sur le cadran, c'est pour les heures, mais pour les heures du matin. Donc il faut se demander quelle heure il est là derrière le soir. Alors, pour ça, pour l'instant, ce que tu peux faire, c'est compter. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais attention, on n'est pas encore sur le 20, donc il est 19h. Et puis on a dit 50 minutes. La petite aiguille, je te rappelle qu'elle bouge, c'est pour ça qu'elle est tout près de 20 heures qui se cache derrière le 8. Euh, donc euh, tu aurais pu faire aussi autrement, si tu savais par cœur que derrière le 6 en fait le soir il est 18h, ici c'était 19 neuf et 20, mais attention on n'est pas encore sur 20h, donc il est 19h, passé de beaucoup de minutes, de passer déjà de 50 minutes. Alors je suis obligée de te laisser parce que la vidéo va se couper, j'ai atteint bientôt les 15 minutes, je pense que je t'ai bien expliqué, euh, j'espère que tu as bien écouté parce que...